Le Conseil Golf Mag avec Jérôme Blais est enregistré sur les sites du Golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International Centre du Golf. Vous avez pu remarquer à la télévision au cours des dernières années, les joueurs de la PGA y allaient de différentes prises pour le putter afin d'améliorer leur coup roulé. Une qui est très populaire, c'est en anglais, on appelle ça la claw grip. Donc, en français, on pourrait dire la prise des pinces de homard des îles de la Madeleine. Ce qui consiste à avoir la main droite pour un golfeur droitier qui agit comme une pince. Alors, la main gauche est prise de façon conventionnelle et avec la main droite, on vient pincer la prise, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de stabilité au niveau du pendule des mains et on ressent beaucoup plus le pendule avec les épaules. Donc, moins d'action des mains, plus de stabilité, meilleur pendule avec les épaules. Alors, j'utilise ce type de prise-là, la prise des pinces de homard de la Gaspésie, pour les coups roulés d'environ 10 pieds et moins. Pour des coups roulés plus longs, j'utilise une prise conventionnelle. Par contre, ça m'aide beaucoup d'avoir la prise des pinces de homard du Nouveau-Brunswick pour avoir les mains plus stables et avoir une meilleure sensation au niveau du pendule des épaules. Avec ça, règle générale, je réussis davantage de coups roulés. Sur ce, bon golf!